Avec le temps à Rodrigue, où le cyclone tropical, un cyclone tropical a été baptisé Eunice, qui influence le temps sur l'île. Si ce cyclone s'intensifie durant la nuit, un avertissement de cyclone de classe 1 pourrait être en vigueur à Rodrigue. Le vent soufflera de l'est-sud-est avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h. Il est conseillé au public d'être très prudent. Écoutons Ganesen Virasamy de la station météorologique de Vakwa, des propos recueillis par Soumeira Ogbarali. Comment nous nous connaissons, c'est nous avons un système qui peut évoluer presque au nord de Rodrigue. Donc, durant la nuit, il a intensifié, il y a une tempête tropicale modérée. Donc, tôt ce matin, les services météorologiques de l'île Maurice, ils baptisent l'UNIS en collaboration toujours avec le centre Météo France qui se trouve à l'île de La Réunion. Donc, aussi, il trouve dans une région bien favorable. Donc, de ce fait, il continue à intensifier et à 16 heures, il arrive même au stage cyclone tropical. Donc, à 16 heures, nous trouvons autour du point 14,2 degrés sud et longitude 64,8 degrés est, avec un mouvement vers le sud-est à environ 10 km par heure. Donc, l'eau, ce point-là, il trouve à environ 600 km au nord-nord-est de Rodrigue. Et ce qu'ils nous trouvaient, une observation et même presque tout un modèle numérique qui nous payait accès, nous trouvaient qu'ils unissent pour maintenir sa trajectoire plutôt vers le sud-est. Mais toutefois, il y a toujours un risque qu'il ait infléchi un petit peu plus vers le sud, donc les cas amènent se sentir un peu plus près avec Rodrigue. Donc de ce fait, il y a un danger potentiel pour l'île Rodrigue. Donc si jamais nous pouvons trouver qu'au courant de la nuit, il peut infléchir plus vers le sud, donc il y a une possibilité qu'il nous passe en alerte 1 à l'île Rodrigue. Les Rodriguais doivent obligatoirement prendre les précautions.